promenait, il est venu trouver un aveugle qui pleurait à chaudes larmes. Il est venu vers l'aveugle et lui a dit, « Mais, cher frère, pourquoi tu pleures ?» L'aveugle lui répond, « Je veux te voir et te toucher, malheureusement, je ne vois pas. » Naturellement, Jésus lui toucha la tête et l'aveugle a retrouvé sa vue. Jésus continue son chemin et il vient trouver un tétraplégique, c'est-à-dire quelqu'un qui est paralysé des quatre mains, qui pleurait également. Jésus lui demandait à monsieur, pourquoi tu pleures? Il dit, je veux te suivre, mais je n'ai pas de membre. Évidemment, Jésus le toucha et il retrouva l'usage de ses jambes. Il vient trouver un troisième qui est assis et qui pleurait vraiment à chaudes larmes. Il demande au monsieur, « Monsieur, pourquoi pleurez-vous ?» Le monsieur répond, « Je suis guinéen. » Et vous savez ce que Jésus a fait? Il s'est assis à côté du jeune et il s'est mis à pleurer lui aussi. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même, il sait que le gars guinéen est compliqué. Et ce dernier n'était pas en réalité qu'un simple guinéen, c'était un dirigeant guinéen. Les dirigeants guinéens, on ne les comprendra jamais. Je raconte cette part, monsieur le président, parce qu'au vu de ce que vous avez fait pour la Guinée, et ce que vous pouvez encore apporter à cette nation, aucune logique ne peut vous permettre de comprendre pourquoi cet acharnement contre votre personne. Monsieur le Président, en 2010, alors que le pays était au bord d'une guerre civile, vous l'avez sauvé grâce à votre patriotisme et votre sens de responsabilité. En retour, Monsieur Alpha Condé nous a servi du sang et des larmes. Alors que toutes les institutions étaient inféodées et que la plupart des leaders avaient abdiqué ou tout simplement abandonné le peuple guinéen à son propre sort, vous avez lutté au prix de votre vie et de celle de vos militants, encore pour sauver la démocratie. Le 5 septembre 2021, alors que la junte était à la quête d'une légitimité, vous avez été l'un des tout premiers soutiens à celle-ci. Et 5 mois après, on commence à nous servir injustice, spoliation et tentative d'exclusion. Mais ça, c'est mal connaître le peuple de Guinée en général et l'UFDG et ses militants en particulier qui ont résisté pendant 11 ans. Qui ont résisté pendant 11 ans. Face à une dictature noire et qui lutteront encore aussi longtemps que nécessaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Comité national des jeunes de l'UFDG a fait une tournée dans les différentes fédérations de Grand Conakry pour échanger avec les jeunes à la base. La tournée avait pour but de remobiliser, sensibiliser les militants à se préparer pour les échéances futures, mais aussi pour demander d'accompagner la transition qui est en réalité leur transition. Car ce sont les jeunes de l'UFDG qui ont mené le combat. En retour, ils nous ont chargé, monsieur le président, de vous rappeler que pour arriver là, ils ont perdu des centaines d'amis et frères. D'autres jeunes sont handicapés à vie dans la lutte contre l'exclusion, mais aussi pour la justice et pour l'instauration de démocratie vraie. Ils ont rappelé donc qu'à ce titre, ils demeurent les véritables sentinelles de la transition
qui doit aboutir dans un délai raisonnable à une élection libre, transparente et inclusive. Il est donc hors de question de faire tous ces sacrifices pour rien. Les jeunes nos gens de vous dire, Monsieur le Président, un, qu'ils sont prêts et attendent le mot d'ordre de la direction nationale en cas d'injustice de quelque nature que ce soit. Deux, ils n'accepteront aucune forme d'exclusion de leur candidat que vous êtes. Trois, ils n'accepteront plus jamais que leur victoire soit injustement attribuée à un autre candidat. Quatre, ils exigent que la justice soit rendue aux centaines de jeunes froidement assassinés et dont on ne parle plus. Or, nous savons que les crimes de sang sont plus graves que les crimes économiques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, toujours dans le cadre de la mise en place d'une dynamique des jeunes pour défendre la démocratie contre la partie toxique qui veut dévoyer la transition, nous avons rencontré les responsables des jeunes de l'UFR avec lesquels nous partageons les mêmes préoccupations et la même vision. Nous nous sommes accordés de travailler de concert pour sauver notre démocratie que nous avons acquise de notre lutte et de lutter contre toute forme d'exclusion. Il faut préciser que cette dynamique sera élargie à tous les partis politiques ayant la même vision, c'est-à-dire une transition pour une durée raisonnable, la mise en place des institutions indépendantes et l'organisation des élections libres, transparentes et inclusives. Nous sommes d'ailleurs au courant, Monsieur le Président, des agissements de cette partie toxique qui se fait appeler société civile et qui prétend parler au nom du peuple de Guinée et qui est guidée par des hauts perchés. Mais soyez sûrs que nous ne danserons pas à cette musique-là. Je termine, Monsieur le Président, en disant que vous n'avez jamais abandonné le peuple et soyez sûr qu'il vous le rendra bien au moment venu. Que ce soit dans les urnes ou si nécessaire par la rue. Je vous remercie.